Arrive ma belle, tout est réel, viens savourer les fruits de la passion. Juste avant de venir en toi, je t'aime bitch. Juste après je sais plus si je t'aime bitch. Non j'ai pas changé de système bitch. Je te fume, te jette comme un petit derby bitch. Me fais pas la belle, où je te... Yo les potes, c'est Riven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, frérot. Aujourd'hui, bon voilà, une petite vidéo sympa. J'ai trouvé une idée, j'espère que ça vous plaira. Ce sera une vidéo, comme tu as vu, cheat un petit peu basée sur Black Ops 3 et en général sur les teams performance. Donc voilà, si elle t'a plu, comme d'habitude, lâche un like ou dislike si elle t'a pas plu. Ça m'intéresse, voilà. N'hésite pas aussi à me dire pourquoi la vidéo ne t'a pas plu. J'écouterai tes commentaires, mais pas comme certaines personnes, grosse merde, parce que voilà, ça c'est pas un commentaire constructif. J'ai une seule réponse quand je reçois ce commentaire, je mets merci, tu vois, pour les remercier d'avoir mis un commentaire, tu vois, ça fait plaisir. Mais bon, voilà. J'aide vraiment à créer des commentaires constructifs pour vraiment m'aider le plus possible à progresser et à faire des vidéos de meilleure qualité pour vraiment avoir attirer plus de monde et que plus de monde reste sur ma chaîne parce qu'ils aiment mon contenu, les gars. Bon, on va arrêter de parler parce que là je raconte trop ma vie. On va tout de suite passer à la vidéo. Aujourd'hui, les 5 team performance qui ont plongé dans l'oubli. Je voulais choisir un petit peu, tu vois, triste, hardcore, tu vois. Parce que si je mettais 5 team performance qui ont arrêté YouTube, tu vois, ça faisait nul, quoi. Ça fait fade, ça fait mou, tu vois. Je voulais mettre un titre hardcore, tu vois, qui attaque. Donc, les gars, on va pas passer plus longtemps. Directement, on commence avec la première team, la Ravage Clan. Donc, les gars, Ravage Clan, team de 2800 abonnés. Donc on va pas dire une grosse team, mais j'ai voulu la mettre parce que voilà, c'est une team où j'ai failli rentrer dedans. Ils faisaient du bon contenu avant, au début de Black Ops 3. C'est même team voilà, où j'avais vraiment envie de rentrer dedans. J'ai pas pu rentrer et quand j'étais dans l'arrière, ils m'ont proposé de rentrer. Mais j'avais ensuite regardé et tout leur contenu. Ils faisaient plus de vidéos. Là ça fait 3 mois ils ont pas sorti une vidéo. Ou je crois qu'ils ont sorti une vidéo hier, mais c'était un live et tout, mais sinon ça fait 3 mois. Ils ont plus fait de vidéo. J'ai voulu la mettre parce que voilà, c'était une petite team vraiment sympathique qui gérait avant, mais voilà, qui a dû arrêter. Voilà, voilà. On va tout de suite passer avec la quatrième team, les gars. Je vais parler de la Onyx Clan. Pourquoi la Onyx Clan? Donc, il faut savoir que la Onyx Clan, c'était une team qui, avant de passer en duo gaming, comme vous le savez, était une team qui comptait 5000 abonnés, team performance, qui faisait vraiment du très très bon contenu. J'ai même voulu rentrer aussi dedans parce que c'était vraiment une team qui m'intéressait. Il y avait vraiment une très très bonne ambiance. Et au final, à cause de la performance et de la tournure que ça a pris, ils ont décidé d'arrêter la performance et de stopper la team pour en faire leur chaîne personnelle à eux. Bien sûr, il y a la nouvelle Onyx Clan qui a été créée. Donc, je vous mettrai le lien de la Onyx dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Ça peut leur faire plaisir, les gars. Donc voilà, ils avaient décidé d'arrêter parce qu'ils en avaient marre de la performance vu comment ça partait en cacahuète. Voilà, ils ont préféré arrêter. Et après, c'est tant mieux pour eux hein, s'ils préfèrent faire ce qu'ils font actuellement. Bah, tant mieux pour eux. Mais bon, voilà, ils ont dû arrêter leur team et c'est dommage parce que c'était vraiment une très très bonne team. On passe ensuite, les gars, avec la Real Clan. Donc pourquoi j'ai décidé de mettre la Real Clan? Donc faut savoir que la Real Clan est une team qui a vraiment fait une très très belle montée. Ils étaient à peu près aux 13 000 abonnés. Et c'est à ce moment là que Rek a voulu changer un petit peu les bases de la team et arrêter un petit peu la performance. Il a voulu faire des vidéos plus dans comme les meilleurs, les pires challenges réalisés et tout. Ils voulaient plus faire des vidéos fun que basées sur la performance. Et beaucoup de membres n'ont pas apprécié ce qu'ils voulaient faire et ont quitté. C'est ce qui a entraîné la chute de la Rien Clan. Pour ensuite, voilà, il l'a renommé en Rising Arek. Il a fait plein de choses avec cette chaîne, mais au final, il a complètement tout supprimé. La Rien Clan a été aussi reprise par Wakes et Arek, quant à lui, a créé sa propre chaîne personnelle que je vous invite vraiment à aller checker parce que ça peut lui faire plaisir, les gars. Voilà, voilà. Donc, vraiment, c'est très dommage. La Rien Clan, qui était l'une de mes premières teams, j'étais rentré dans Rien Clan avant qu'elle soit créée. Donc, j'étais même dans l'ancienne team avec Arek avant même qu'il crée la Rien Clan. C'est donc pour ça voilà que c'est très dommage qu'elle a disparu parce que c'était vraiment une team qui commençait vraiment à évoluer avec l'Aria. C'était deux teams qui ont évolué, l'Aria a continué bien sûr, mais l'Aria a dû arrêter à cause voilà des changements qui ont été faits dans la team. À la deuxième place, les gars, on va passer avec vous devez sans doute la connaître, la Titanium Clan. Donc la Titanium Clan
Titanium Clan était une team qui faisait beaucoup de vidéos sur la performance il y a très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, j'abuse un peu les gars. Mais était une team qui a, on va dire, existé il y a assez de temps, qui avait fait une énorme pause complètement, qui avait stoppé la performance et qui ont repris il n'y a pas longtemps pour au final restopper la performance. C'est dommage, mais voilà, je sais pas, par contre je connais pas les raisons, je m'en excuse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez, parce que moi je me suis pas trop intéressé à cette team, j'ai rien contre eux, c'est une très bonne team et tout, et à côté environ 6000 abonnés, mais c'est pas, j'ai pas pu voir pourquoi ils ont arrêté, etc. Mais je sais juste que c'était une team qui avait bien évolué auparavant, dans les débuts de la performance, surtout un petit peu sur Black Ops 3, et qui a dû se stopper et qui a repris et qui s'est restoppé. Voilà, bon, désolé si le commentaire il part un petit peu en couille, j'ai pas trop le temps. Là, on est lundi soir à l'heure où je le fais, et je dois taper le montage et tout, parce que demain j'ai cours, il y a beaucoup de cours, je finis tard. Moi, je reprends les cours mardi, voilà, je reprenais les cours hier, et je finis très tard, donc ça va être assez chaud pour moi. À la première place, les gars, vous devez la connaître, c'est une team vraiment emblématique de la performance, la première team performance FR, qui est la Rage, donc maintenant Know Your Rage, qui est une team fréquentée par Tonio25, etc. Donc la première team performance FR, donc qui compte 80 000 abonnés. J'ai pas classé les teams en fonction de leurs abonnés, hein, je vous le dis, je les ai classés en fonction, un petit classement tranquille et tout, mais c'était pas, je les ai classés. Il n'y a pas un classement vraiment de la meilleure à la moins bonne, etc. C'est vraiment un classement comme ça. J'ai voulu quand même mettre la Ravage en premier parce que c'est une team un peu moins connue. Mais sinon, voilà, j'ai voulu mettre la New Rage en premier parce que c'est vraiment la team emblématique de la performance FR qui a vraiment, celle qui a fait débuter la perf, on va dire. Elle a été suivie de l'Apex et qui vraiment a eu beaucoup de problèmes avec les changements de leader, des grosses inactivités. Maintenant, il n'a plus beaucoup de vues et tout. C'est vraiment dommage parce que c'était vraiment une super team et qui a dû, ça a tourné, ça a fait que des changements de leader, plus d'inactivité, grosse activité, etc. C'est dommage, mais voilà, c'était la New Rage, les gars. En tout cas, pour ma part, j'espère la vidéo, elle va être finie. Oui, je m'embrouille dans le commentaire, les gars. La vidéo va être finie, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si elle t'a plu, like ou dislike. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo BG. Porte-toi bien, c'était Revenge. Bye!